Bonsoir à tous. Merci d'être là pour cet avant-dernier rendez-vous ici dans cette belle salle Hubert Curien des Champs Libres avant la trêve des confiseurs. Voilà, ce sera la dernière la semaine prochaine, donc avant cette petite période de vacances, et nous reprendrons à la mi-janvier. Mais il y aura quand même entre-temps, le 15, un rendez-vous à Saint-Malo. Je vous en reparlerai la semaine prochaine. Alors, quelques petites informations, si vous permettez, avant de commencer. Il y a un café de l'Espace des Sciences qui vous est proposé demain. Ça se passe au Café des Champs Libres. L'entrée est libre et gratuite. C'est à 18h. Et vous pouvez venir dialoguer avec Stéphane Lemoëlic. On le connaît bien parce qu'il est venu déjà nous faire des conférences aussi. Il est ingénieur de recherche au laboratoire de planétologie et géosciences de Nantes. Cette soirée vous est proposée comme d'habitude en relation avec le numéro de septembre 2022 de Science Ouest sur le thème « Comment étudier la planète Mars sans y poser les pieds ?» Une bonne question, non? Donc, vous pouvez venir en discuter avec lui sans problème demain, donc, au Café des Champs Libres. Et puis, je voulais vous annoncer aussi que le dernier numéro de Science Ouest est sorti avec un dossier qui s'intitule « Actes criminels, les scientifiques mènent l'enquête ». Voilà, et puis bien sûr, comme d'habitude, dans ce magazine de l'Espace des Sciences de Bretagne, en Bretagne, eh bien, vous avez des informations sur toutes les recherches qui sont menées un petit peu partout dans notre région. Il y a un article aussi que je trouve intéressant sur une femme que j'ai eu la chance de connaître, qui était absolument extraordinaire, qui s'appelait Anita Conti. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Une femme aux mille facettes. Découvrez-la dans le magazine Science Ouest si vous ne la connaissez pas. Voilà, alors là, ce soir, on est là pour parler du verre. Le verre, c'est l'un des matériaux, je crois, le plus transparent et en même temps le plus mystérieux dans la multiplicité de ses propriétés et de ses applications. Si je dis des bêtises, vous m'arrêtez, hein. Parce que je peux en dire, je me connais. Les Nations Unies ont proclamé 2022 année internationale du verre, en soulignant son rôle dans les domaines scientifiques, économiques, artistiques et culturels. Cette résolution est un événement unique dans l'histoire du verre, je crois. Alors, nous l'avions déjà évoqué lors d'une précédente conférence de Jean-Jacques Théron au mois de mai dernier, qui était intitulée « Les verres spéciaux des matériaux d'avenir ». Le magazine Science Ouest lui a consacré aussi tout un dossier, c'est le numéro, vous pouvez encore vous le procurer, hein, le numéro 396 de février 2022. Et il y a eu aussi un café de l'Espace des Sciences sur ce thème auquel, d'ailleurs, Yann, vous avez participé. Et puis, je crois qu'il y a en préparation une exposition itinérante sur le verre qui n'est pas tout à fait encore opérationnelle, mais qui ne va pas tarder à se promener un petit peu partout, comme la plupart de nos expositions itinérantes de l'Espace des Sciences. Alors, à Rennes, le travail scientifique consacré à ce matériau est l'un des pôles d'excellence de la recherche. Deux équipes rennaises, issues pour l'une du département mécanique et verre de l'Institut de physique de Rennes, l'IPR, où l'on étudie tous les verres inorganiques et leurs étonnantes propriétés mécaniques, et l'autre, verre et céramique, de l'Institut des sciences chimiques, l'ISCR, qui développe des verres originaux ayant de nombreuses applications. Eh bien, ces deux départements forment à eux deux l'un des plus grands centres de recherche académique mondiaux sur le verre. De quoi être très, très fier. Alors, on est fiers, nous, là, parce qu'on est ici, parce qu'on est rennais, mais je tiens à ce que les 80 spectateurs qui viennent de nous rejoindre, et ça n'arrêtera pas de grossir jusqu'à la fin de la conférence, il faut qu'ils le sachent aussi un peu partout, en France et dans le monde. Alors, pour nous parler ce soir de ces travaux, il nous fallait un représentant de chacune des équipes. Le physicien Yann Guéguin, qui est maître de conférence à l'Université de Rennes 1 et responsable du département mécanique et verre de l'Institut de physique de Rennes. C'est ça?
et la chimiste Louisiane Verger, qui est chargée de recherche au CNRS dans l'équipe verre et céramique de l'Institut des sciences chimiques de Rennes. Alors à ce moment, je me dois de vous parler encore de fierté, car Jacques Lucas, qui est ici dans cette salle, président de l'espace des sciences depuis déjà de nombreuses années, Jacques Lucas est le fondateur et l'ancien directeur de ce laboratoire. Grâce à ses travaux sur les verres fluorés, et comme c'est un peu compliqué, j'ai mis les verres spéciaux, donc ça, c'est plus simple, il est membre de l'Académie des sciences. Et pour l'anecdote, sachez que son épée d'académicien a été créée par une artiste plasticienne du verre, Chantal Royan, et donc son épée d'académicien est en verre. Elle n'est pas cassée. Elle n'est pas cassée. On en reparlera tout à l'heure. C'est une artiste qui travaille le verre et qui fait de très jolies choses, n'est-ce pas ? Bon, revenons à vous deux, le physicien et la chimiste, deux spécialités souvent opposés, croit-on, hein. Mais je crois que c'est une erreur, non ? Qui est-ce qui répond ? Tous les deux, allez. Quand il s'agit de science des matériaux, parce que c'est vraiment de la science des matériaux, la science du verre, la physique et la chimie sont vraiment complémentaires pour comprendre tout ce qui se passe dans le verre. Et vous allez voir que c'est assez compliqué. C'est très, très complémentaire. D'accord. Quelque chose à ajouter ? On oui. travaille ensemble. Alors, on va essayer de savoir un petit peu plus, en savoir un petit peu plus sur vos itinéraires personnels. Louisiane Verger, vous n'êtes pas du tout originaire de notre région, dans laquelle vous êtes depuis 3 ans, je crois. Oui, c'est ça. Vous êtes de l'Isère, entre Lyon et Grenoble. Entre Lyon et Grenoble, oui. Voilà. De Bourgoin-Jallieu. Vous avez fait des études de chimie à Paris. Oui, c'est ça, oui. Voilà. À Paris Tech. Oui, Chimie Paris Tech. Oui, Chimie Paris Tech. Votre thèse portait sur le chrome dans les décors de porcelaine. Vous étiez particulièrement intéressée, par l'art et la chimie. Oui, c'est ça. En fait, je voulais travailler entre l'histoire de l'art et la chimie des matériaux. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette thèse. D'accord. Vous avez fait votre post-doc à Bordeaux et puis à Philadelphie aussi. Oui. Et puis, le verre, vous l'avez découvert finalement beaucoup plus tard. Alors, pas tout à fait. Je l'avais découvert en stage de Master 2 à Saint-Gobain Recherche. Et puis après, pendant ma thèse aussi, on s'est rendu compte que le chrome était plutôt dans les cristaux et ne passait pas trop dans le verre. Donc, c'était un peu frustrant. Donc, je retourne vers le verre des années après. Donc, vous travaillez sur ces matériaux bizarres qui portent un drôle de nom. Les verres de chalcogénure. Il faut bien prononcer en plus. Et sur la cristallisation aussi. Oui, voilà, c'est ça. L'étude de la structure des verres et des vitraux céramiques de chalcogénure. Et donc, je rappelle que vous êtes chargée de recherche dans l'équipe verres et céramiques de l'Université de Rennes. Oui, c'est ça. Voilà. Et Yann Guéguin. Alors, vous êtes de Rennes, comme le nom l'indique, c'est un nom breton. Hein, vous êtes de Rennes, vous avez fait vos études en mécanique à Rennes, vous avez fait votre thèse dans l'ancêtre du labo qui portait à l'époque le nom de l'Armor, c'est ça ? Mais pas l'Armor comme on l'écrit dans le département de l'Armor. C'est l'Armor, laboratoire de recherche en mécanique appliquée de l'Université de Rennes, à l'époque. Ouais. Qui fait l'Armor, ouais, pour le jeu de mots. Un nom facile à retenir, plus souvent facile à retenir que les acronymes quelquefois qui sont un peu bizarres. Alors vous avez travaillé, vous, mais dites-moi ça, vous êtes physicien, en partie sur l'écoulement des verres développés par les chimistes. Alors, au sens strict, je suis plutôt mécanicien. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et oui, je l'ai travaillé sur les verres de chalcogénure, en collaboration avec l'Institution chimique de Rennes. Donc sur des verres, je travaille sur l'écoulement des verres, et puis c'est des verres qui sont un peu particuliers parce que quand on les éclaire avec de la lumière, ils deviennent plus fluides. Ah. Et c'est ça qui m'a intéressé en particulier pendant ma thèse. Alors, vous avez fait votre post-doc en Allemagne, je crois, à Erlangen. Oui. Toujours en lien avec Rennes, hein, puisqu'à Erlangen, c'est une des villes, comment est-ce qu'on dit, jumelées. Voilà, jumelées à Rennes. Et je le rappelle, donc, vous êtes responsable du département mécanique et verre de l'Institut IPR de Rennes. Dites-moi, vous avez participé à la fête de la science et vous proposiez, donc dernièrement, c'était au mois d'octobre, vous proposiez de torturer le verre. Vous êtes sadique, pour qu'il avoue son secret. C'est ça ? Pourquoi est-il si fragile ?
C'est la seule solution pour le faire parler, on n'avait pas le choix. Ça a marché. Pour ceux qui étaient là, on avait amené un canon pour tirer sur le verre. Ouais. J'en parlerai un petit peu à la fin de ma présentation. En tout cas, vous aviez un très très beau stand pendant la fête de la science cette année. Voilà. Alors, le verre, un étrange état de la matière. Ce verre transparent et mystérieux, vous allez nous en parler l'un et l'autre, et c'est Yann qui va s'y coller le premier. Et nous, on va rester là pour écouter sa présentation. Et bien sûr, après, nous vous donnerons la parole pour que vous posiez des questions. Merci et bonne soirée à tous. Bonsoir à tous, merci d'être présents et merci à l'Espace Les Sciences de nous laisser l'opportunité de présenter les activités de recherche sur le verre à l'Université de Rennes. Donc effectivement, je vais vous parler du verre. Donc, je vais commencer moi par présenter le département mécanique et verre et son activité. Donc peut-être la première chose quand même à faire, c'est d'expliquer ce que c'est qu'un verre. Alors tout ce que vous avez face à vous ici, c'est du verre. On voit la souris. Donc vous avez le verre de lunettes, classique, la fibre de la laine de verre, du verre de cathédrale. Vous avez ici du verre qui sert pour le renforcement des composites, le Pyrex pour dire la marque, des fibres optiques, des bouteilles de verre, du verre à vitre, du verre pour l'optique. Et puis vous avez des verres un peu plus exotiques. Celui qui est en haut à droite ici, c'est un verre métallique, c'est que du métal. Et ici, donc, c'est le fameux verre de chalcogénure. Donc tout ça, c'est du verre, et la seule différence entre tous ces verres, c'est uniquement la composition chimique, donc c'est la recette du verre. Alors du coup, je dois un petit peu mieux expliquer, parce que c'est quoi exactement du verre métallique? En fait, si on doit partir d'un matériau, on va partir de la cristobalite, donc qui est un cristal, la formule chimique c'est SiO2, c'est comme la silice. Si on zoome sur cette matière et qu'on la regarde jusqu'à l'échelle atomique, ce qu'on voit ici, donc en jaune, vous avez le silicium, puis en rouge, vous avez l'oxygène. Et quand on regarde cette structure, donc là même c'est un peu petit, on devine quelque chose, on devine qu'en fait la matière elle est ordonnée. Donc un cristal c'est ordonné, et la plupart des matériaux que vous connaissez, que vous voyez autour de vous, sont des matériaux qui sont ordonnés à l'échelle atomique. Donc les métaux, la roche, les céramiques sont des matériaux qui sont ordonnés à l'échelle atomique. Donc les atomes ne se mettent pas n'importe comment, ils vont chercher de l'ordre. Donc ça c'est à 20 degrés. Maintenant, ce que je peux faire, c'est m'amuser à chauffer ce matériau-là jusqu'à le rendre liquide. Donc, on va monter jusqu'à 2000 degrés. Donc, c'est un peu plus haut que la température de fusion. Et puis redescendre à 20 degrés. Donc, si je regarde la matière maintenant à l'état liquide, à 2000 degrés, ce qu'on voit, c'est qu'on a perdu l'ordre. Donc tous les liquides que vous connaissez sont désordonnés à l'échelle atomique. Il n'y a aucun ordre dans la façon dont les atomes, plutôt les molécules, s'arrangent dans un liquide. Ce que je vais faire avec ce liquide, c'est que je vais le refroidir très vite. Et si je fais ça, je vais emprisonner ce désordre, et à 20 degrés, je vais retrouver un matériau désordonné à l'échelle atomique, et c'est ça qu'on appelle un verre. Donc à partir du moment où on a réussi, à partir d'un liquide, le plus souvent, à désordonner la matière et à garder emprisonné, désordonné, on a ce qu'on appelle un verre. Donc la seule différence qu'il y a entre du verre de silice, comme vous voyez en bas à droite, et la cristobalite qui est un cristal, c'est uniquement le fait que la silice vitreuse, elle est désordonnée à l'échelle atomique. Donc pour nous, un verre, c'est un matériau désordonné à l'échelle atomique, qui peut avoir n'importe quelle composition. Donc on dit aussi qu'il est amorphe à l'échelle atomique. Donc pour vous montrer simplement la simulation, ici vous avez de la cristobalite. Donc on voit bien, on devine bien l'ordre dans la structure ici. Et puis on va chauffer cette cristobalite. Donc à droite ici, vous voyez la température en fonction du temps. Donc on va chauffer tout ça. Donc quand on chauffe, la matière se met à s'agiter, ce qu'on appelle l'agitation thermique. Et quand on arrive à 2000 degrés, ben on est complètement désordonné, on est liquide, et on refroidit tout ça très rapidement pour retourner à 20 degrés, et on a emprisonné ce désordre, et la matière reste désordonnée, c'est ça qu'on appelle un verre. Donc la plupart des matériaux vitreux que vous connaissez, donc par exemple le verre à vitre, sont des verres d'oxyde, donc là essentiellement c'est de l'oxyde de silicium. Le verre à vitre, c'est un oxyde de silicium avec, vous l'avez ici à gauche, avec du sodium et du calcium principalement, ce qu'on appelle un verre silico-sodocalcique. Le pyrex, c'est un borosilicate. La grosse différence avec le verre à vitre, c'est qu'il contient beaucoup de bore. Et les fibres optiques qui viennent amener Internet chez vous, ben c'est quasiment que de la silice, de l'oxyde de silicium. Par contre, les verres plus exotiques dont on va vous parler, les verres métalliques et les verres de chalcogénure, n'ont pas d'oxyde. Leurs principaux constituants pour les verres métalliques, ben c'est des métaux, tout simplement.
Et pour les verres de chalcogénure, les éléments de base, ce qu'on appelle les chalcogènes, par exemple le soufre, le sélénium et le tellure. Enfin, par exemple, c'est les seuls chalcogènes. Dans ces verres-là, il n'y a pas d'oxyde. Donc un verre, pour nous, c'est un matériau désordonné, quelle que soit sa composition. Donc, je vais vous parler des activités de recherche au département mécanique et verre. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est le plancher en verre d'une tour à Séoul. Donc, le plancher est à 478 mètres au-dessus du sol. Et je pense que vous êtes ravis de savoir, quand vous montez sur ce plancher-là, qu'il y a des gens qui se sont posés la question, quelle est la résistance mécanique du verre. Donc, dans le département, on est environ 25 personnes, donc une quinzaine d'enseignants-chercheurs, des personnels techniques pour développer notamment les expériences que je vais vous présenter et pour faire de la synthèse de verre. Donc, Patrick Huizot, c'est quelqu'un qu'on a piqué à l'ISCR pour venir faire du verre chez nous, et puis des post-doctorants et des doctorants. Donc on fait de la mécanique des matériaux, pas simplement du verre, il faut aussi des élastomères. Ce soir, je vais vous parler des verres. Donc, je vais peut-être devoir vous définir ce que c'est que la mécanique des matériaux. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Donc, mécanique des matériaux, imaginez, je prends un matériau, donc là, moi, j'ai choisi du verre, comme par hasard. Donc, je prends du verre et je vais lui appliquer une sollicitation mécanique. Donc, je vais le tordre, je vais le déformer, je vais le taper dessus. Et ce que je veux faire, c'est être capable de prédire, si je fais ça, qu'est-ce qui lui arrive. Donc, je vais être capable de prédire si, par exemple, est-ce qu'il va casser ? Est-ce qu'il va se déformer de manière réversible, on dit élastique ? C'est-à-dire que je le déforme et puis si j'arrête d'appuyer dessus, il revient comme il était avant. Ou est-ce qu'il va se déformer de manière complètement irréversible ? Donc ce que vous voyez ici, c'est simplement une rayure à la surface du verre qui est une déformation irréversible du verre. Donc je vais être capable de prédire ce qui va arriver au verre si je le torture. Et pour ça, il faut un modèle. Donc ce modèle-là, on l'appelle ça une loi de comportement. Il me faut un modèle qui permet de prédire qu'est-ce qui lui arrive au verre. Donc pour ça, on a besoin de comprendre quels sont les mécanismes, parce que jusqu'à l'échelle microscopique, jusqu'aux atomes, quels sont les mécanismes qui permettent au verre de se déformer, de casser, d'avoir une déformation irréversible. Et pour cette loi de comportement, on a besoin de définir, de mesurer des propriétés matériaux. Donc ça peut être par exemple ce qu'on appelle les modules d'élasticité, la résistance à la rupture du matériau, ou la viscosité, des choses comme ça. Sauf que ces propriétés peuvent être sensibles à l'environnement. Ce n'est pas forcément une propriété intrinsèque, ce n'est pas propre au matériau. Ça peut changer avec l'environnement, notamment la température et l'humidité. Toutes ces propriétés, elles dépendent de la composition chimique. Donc nous, notre but, c'est de faire le lien entre la composition chimique du verre et ses propriétés pour être capable de prédire qu'est-ce qui va arriver au verre quand on va le torturer. Et inversement, une fois qu'on a compris cette relation entre la composition et les propriétés, l'idée, c'est de faire le chemin inverse, c'est de se dire, si je veux avoir telle résistance pour le verre, tel comportement mécanique, il me faut cette composition-là, si elle existe. Donc je vais aller de la fabrication du verre, la mise en forme, jusqu'à la déformation, puis finalement, on n'a pas le choix, jusqu'à la rupture du verre. Donc comment on fabrique un verre ? Il y a différentes méthodes, mais la méthode la plus classique, la plus facile à comprendre, c'est ce qu'on appelle la fusion trempe. Donc là, on fait de la cuisine. On prend des éléments de départ, donc nos poudres de départ, donc ça peut être un peu de tout et n'importe quoi, des oxydes, des carbonates, des phosphates, de la silice, ou tout ce que vous voulez. Et on met tout ça dans un récipient qu'on appelle le creuset, qui généralement est en platine. On fait notre mélange de poudre, et on va amener ça jusqu'à la fusion. Donc suivant ce qu'on a mis au départ, pour les verres de silicaté, on va monter autour de 1500 degrés pour faire la fusion du matériau, faire la fusion des poudres. Donc là, vous voyez ici le four, le creuset, le récipient, il est juste là. Et donc voilà, on fait fondre tout ce qu'il y a dedans pendant un long moment, le temps que ça s'homogénise. Et après, on fait la trempe. Donc une trempe, simplement, on va couler rapidement le verre à 20 degrés. Donc en fait, on coule, pour la plupart des verres, on va juste couler le verre dans un moule à 20 degrés. Donc là, vous voyez le liquide qui sort du creuset et qui coule dans le moule. Alors, le problème quand on fait ça, c'est que c'est relativement violent pour le verre et ça laisse dans le verre des contraintes, des tensions dans le verre qu'il faut effacer. Faut faire disparaître, et pour ça on fait un recuit, je vais peut-être en parler un petit peu après. Donc tous les verres sont, la plupart des verres sont recuits. Alors un des éléments importants pour la mise en forme des verres, c'est ce qu'on appelle la viscosité. Donc là vous avez nos collègues de Rennes 1, Verrier de Rennes 1, qui préparent des verres, et vous comprenez bien ici qu'il faut chauffer le verre pour pouvoir le mettre en forme, donc pouvoir le déformer, il faut qu'il soit suffisamment fluide, entre guillemets. Et donc il faut chauffer le verre, et la viscosité est un paramètre important qu'il faut essayer de comprendre. Et la viscosité est en plus un paramètre important et très particulier pour les verres. Donc je vous ai mis à gauche la viscosité dans des unités barbares, les pascales secondes, donc ce n'est pas forcément très compréhensible. Je vous ai mis en face pour mieux comprendre. Si je prenais une boule en acier de 1 kg et que je la mettais à la surface du matériau, ou du liquide, à quelle vitesse elle coulerait.
Donc 10 puissance 0 pascal seconde, elle coulerait à 10 mètres par seconde. Et 10 puissance 14 pascal seconde, elle coulerait à 0,4 mm par siècle. C'est la vitesse à laquelle elle s'enfoncerait. Alors si ça ne vous parle pas tout de suite, je vous ai mis quelques matériaux liquides qui correspondent. Donc l'huile d'olive, le fromage à raclette fondu, bien entendu. Le saindoux et pour les moins jeunes, le pétrole de l'Erica. Le joint silicone, beurre de cacahuète, chewing-gum. Et puis la poix, c'est une espèce de bitume. Alors quand on regarde n'importe quel matériau cristallin, donc qui ne sont pas amorphes, qui ne sont pas vitreux, donc j'ai pris un exemple de l'eau, bah, l'eau à haute température, à 20 degrés pour l'eau, c'est très fluide, donc ça a une viscosité de 10-3 pascal seconde. Par contre, la glace, ça a une viscosité qui est assez grande, autour de 10 puissance 14 pascal seconde. Alors vous allez me dire, la glace, ça n'a pas de viscosité, ça ne coule pas la glace. Ce que vous voyez ici, c'est un glacier en Alaska qui s'appelle Elephant Foot, et vous voyez qu'il coule littéralement. Il coule très très lentement, mais il coule, il s'écoule. Donc la particularité, non, ce n'est pas la particularité, la plupart des matériaux cristallins, tous les matériaux cristallins, quand vous allez les refroidir, bah, ils vont tout simplement solidifier. Donc l'eau bah, va voir sa viscosité augmenter un petit peu, puis elle va solidifier, devenir de la glace, et brutalement, sa viscosité va augmenter. Donc de l'eau sous forme de chewing-gum, par exemple, ça n'existe pas, parce que l'eau passe tout de suite d'un état très fluide à un état très visqueux. La particularité des verres, c'est qu'en fait, leur viscosité, elle augmente de manière continue. Donc quand je refroidis, donc là c'est du verre à vitre par exemple, quand je refroidis de 1600 degrés à 500 degrés, bah, le verre va balayer toutes les viscosités possibles dans l'intervalle, et le verre ne va pas solidifier au sens strict, il ne va pas changer sa viscosité brutalement. Donc quel est l'intérêt de cette particularité des verres? C'est qu'on peut faire avec les verres des choses qu'on ne fait pas avec d'autres matériaux. On peut les mettre en forme via la viscosité. Donc par exemple, le soufflage du verre, bah, il se fait autour de cette viscosité-là. Donc, je ne peux pas souffler de l'acier, je ne peux pas souffler de la glace, parce qu'il n'a pas la propriété du verre d'avoir une évolution continue de la viscosité. Donc je peux faire du fibrage, je peux faire de la trempe thermique, et je peux faire du recuit. Donc le recuit, ça consiste à effacer les contraintes en profitant de la viscosité du verre sans la réduire trop. Donc très rapidement, ça s'intéresse aussi à la viscosité des verres dans le département mécanique et verre. Et la viscosité change énormément avec la composition chimique des verres. Vous avez le verre à vitre qui est par ici, là. Et vous voyez que tous les verres qui sont, bah, les verres de chalcogénure sont beaucoup plus fluides que le verre à vitre. À température égale, leur viscosité est beaucoup plus faible. Et si on veut chercher des verres qui ont des viscosités plus élevées que le verre à vitre, il faut aller chercher vers les verres azotés, par exemple. On remplace l'oxygène du verre par de l'azote. Donc maintenant qu'on a compris comment on mettait le verre en forme, on va pouvoir commencer à le déformer. Donc je vous ai dit, le principe, c'est quand on sollicite mécaniquement le verre, donc on fait un essai mécanique, on veut être capable de prédire ce qui lui arrive. On va avoir un modèle, ce modèle va prédire quelque chose, il va prédire qu'il va se déformer comme ça, par exemple. Et une fois que j'ai fait ma prédiction, bah, je vais comparer tout ce que j'observe dans l'expérience avec ma prédiction. Donc si je fais une expérience et que je prédis la bonne chose, je suis content, mais ça ne me dit pas que ça va prédire la bonne chose tout le temps. Donc l'idée, c'est qu'il faudrait multiplier les essais mécaniques pour être sûr qu'on a bien tout prédit, ou alors avoir un essai mécanique qui est suffisamment complexe, tordu, pour qu'on puisse valider un maximum de choses. Mais la question qui se pose, c'est comment on peut voir ce qui se passe dans la matière. Donc par exemple, quelles sont les contraintes, les tensions qui existent, ou les compressions qui existent à l'intérieur de la matière. Donc là, on a une technique particulière pour ça. Donc encore avec un verre de chalcogénure, on prend un verre de chalcogénure, il y a un trou au milieu, c'est pour générer une contrainte dans le verre, des tensions dans le verre les plus complexes possibles. Et on va filmer ça en caméra infrarouge. Et quand on filme ça, on va voir l'échauffement de la matière. Donc quand vous déformez de la matière, elle s'échauffe forcément. Elle peut se refroidir. Elle change de température. Et on va être capable de détecter ça. Alors qu'est-ce qui est difficile? Vous le voyez ici, l'échauffement, c'est 0,07 degrés. Donc on est capable de détecter des échauffements de cet ordre de grandeur. Et donc là, je vais vous passer les équations de la thermodynamique des milieux continus. Mais une fois qu'on a la température, on peut calculer les forces dans la matière, on va plutôt parler de contraintes, de force par unité de surface, donc on peut calculer ces contraintes. Ces contraintes, une fois qu'on les a calculées, ben on peut les comparer à notre modèle, ce qu'il prédit, et faire la comparaison et être content ou pas de notre modèle. Donc l'idée est toujours la même, c'est qu'on va faire des prédictions, faire des modèles et faire un maximum d'expériences pour valider ou pas ces modèles. Donc quand on veut faire une prédiction aussi, ce qu'il nous faut, c'est avoir les propriétés mécaniques du matériau. Donc, par exemple, quand je veux faire une prédiction de comment le verre se déforme élastiquement, il me faut des modules d'élasticité, qui vont quelque chose qui définisse comment le matériau est sensible à une déformation réversible. Ces propriétés, elles dépendent de la composition des verres. Et moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est être capable de prédire les propriétés d'après la composition. Vous me dites, voilà, ma composition de verre, c'est ça. Je vais vous dire, ma propriété de ce verre, c'est ça.
Et inversement, j'aimerais bien pouvoir dire, ben, on a besoin d'avoir un verre qui a telle propriété. Ben, ce n'est pas compliqué, il faut cette composition-là. Alors, si je prends un exemple de verre relativement simple, où j'ai que trois composants, donc du silicium, du sodium et de l'aluminium. Donc en fait, j'ai deux composants qui varient, le silicium et le sodium, puis l'aluminium, il vient juste compenser les 100%, pour arriver aux 100% au total. Donc quelle est l'idée? C'est juste pour illustrer, hein. Je vais regarder, je vais m'amuser à faire différents verres de différentes compositions, puis je vais regarder une propriété qui m'intéresse. Donc la propriété, ça peut être la masse volumique, ça peut être l'élasticité, ça peut être la résistance à la rupture. Mais je vais regarder cette propriété en fonction des compositions. Donc bien sûr, je ne peux pas faire toutes les compositions qui existent, puisqu'il y a une infinité. Mais j'en fais quelques-unes, et ce que j'aimerais bien avoir, c'est l'équation qui me dit quelle est la relation entre le taux de silice, le taux de sodium, et la propriété que je regarde. Et cette équation, elle peut être très compliquée à trouver. Et là, j'ai pris un exemple avec juste trois composants, et vous avez des verres comme le R7T7, qui est le verre de stockage de déchets nucléaires, ben, il y a beaucoup plus que 10 composants dedans. Voilà comment je prédis, comment évolue la composition en fonction de chacun des composants. C'est très compliqué. C'est si compliqué qu'on va faire appel à autre chose. Donc l'idée, c'est qu'on veut trouver une propriété en fonction de la composition. On veut trouver le lien entre la composition d'un verre et sa propriété. Et on va confier ça à une intelligence artificielle. On va lui donner les mesures qu'on a faites. On va la laisser travailler. Et elle, elle va trouver l'équation, entre guillemets, mais sauf qu'elle va être incapable de nous la dire. Donc elle va avoir l'équation qui relie la composition du verre à sa propriété. Donc elle n'est pas capable de nous dire l'équation. Mais désormais, si on lui dit, bah, cette composition-là, quelle est sa propriété, elle va nous dire, bah, c'est pas compliqué, c'est ça. Elle nous parle plus gentiment, mais c'est ce qu'elle va nous dire. Donc, l'idée est là, j'ai une composition de verre, par exemple, donc ça marche dans les deux sens, hein. J'ai une composition de verre, donc là, c'est des verres métalliques. Je dis, bah, voilà, cette composition, madame l'intelligence artificielle, quelles sont ses propriétés? Elle va dire, bah, voilà, les propriétés, la température de cristallisation, le module d'élasticité, etc., elle va tout nous donner. Inversement, je peux lui dire, bah, trouve-moi le verre qui est les propriétés les plus proches de toutes ces valeurs-là. Elle va me dire, bah, c'est pas compliqué, c'est ça les propriétés que vous recherchez. Donc c'est des systèmes de réseaux de neurones. Là, c'est pas le nombre de neurones, c'est le nombre de connexions entre neurones. Donc c'est pas très loin du cerveau humain, en fait, mais l'intelligence artificielle est beaucoup plus efficace que nous pour trouver des choses comme ça, mais c'est très monotâche, une intelligence artificielle. Maintenant, qu'on a déformé le verre, on peut passer à l'endommagement, la fissuration, la rupture. Donc, contrairement à ce qu'on pense, en fait, les verres, particulièrement les verres d'oxyde, les liaisons qui existent entre les atomes ne sont que des liaisons iono-covalentes. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les liaisons les plus fortes qui existent. Donc, un verre est très résistant mécaniquement. Un verre, ce n'est pas fragile. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, quand on regarde un verre, il y a toujours des défauts à la surface, des petites rayures. Donc là, c'est l'écran de smartphone d'un collègue. Donc, il y a toujours des petits défauts. Et en fait, on peut s'amuser à regarder quelle est la contrainte à rupture d'un verre en fonction de la taille de ses défauts. Donc une contrainte, c'est les forces rapportées à l'unité de surface. Et si vous ne comprenez pas trop ce que c'est que cette unité, le gigapascal ici, 15 gigapascal, ça fait 1500 kg par millimètre carré. 15 gigapascal, c'est ce que supporterait une fibre de verre, par exemple, de 1 mm de diamètre, si elle soulevait une voiture de 1,4 tonne. Donc on va regarder la contrainte à rupture en fonction de la profondeur de défaut. Et pour avoir une idée aussi, les aciers peuvent monter jusqu'autour de 1 gigapascal de contrainte à rupture. Et pour avoir des meilleurs métaux, les alliages de titane, par exemple, vont être à autour de 1-2 gigapascal, on va dire, de contrainte à rupture. Du verre, quand on le produit, quand il sort de la chaîne de production, par exemple les fibres optiques, en fait, on a des contraintes à rupture qui montent jusqu'à 10 gigapascal quand elles n'ont jamais été endommagées, qu'elles n'ont pas de défaut de surface, quand on vient de les faire. Après, quand on va mettre en forme le verre, par exemple, on va courber un pare-brise, faire des choses comme ça, en manipulant le verre, on va créer des défauts par tous les outils qui manipulent le verre, et puis on va descendre la contrainte à rupture autour de la centaine de mégapascales. Parce qu'on a des défauts de cette taille-là, d'une dizaine de micromètres. Après, le verre, il va être transporté sur des camions, il va être posé, il va être nettoyé, etc. On va générer d'autres défauts, et là, on va descendre pour du verre à vide, typiquement jusqu'à 40 mégapascales, en étant un petit peu méchant. Et puis sans faire de pub pour des réparateurs de pare-brise, quand vous avez un défaut visible à la surface du verre, bah là, votre contrainte à rupture, elle est descendue très bas, jusqu'à quelques mégapascales. Qu'est-ce qui est important de voir ici? C'est que si je regarde la droite qui est là, et que je cherche le verre sans défaut, j'arrive à une quinzaine de gigapascales, voire 25 gigapascales, selon les calculs. C'est 10 fois la résistance de l'acier.
Donc ça veut dire, pour se mettre les choses en tête, c'est que si je faisais une fibre, c'est une grosse fibre, de 10 cm de diamètre en verre, je pourrais soulever la tour Eiffel avec sans problème. J'ai un petit peu de marge. Donc ça veut dire qu'il faut imaginer des verres sans défaut, pour avoir des verres très résistants, ou au moins comprendre comment ce défaut il arrive et qu'est-ce qui se passe. Donc on veut comprendre comment apparaît un défaut à la surface du verre, puis comment apparaît une fissure, puis comment cette fissure a fini par créer la rupture du verre. Donc si vous rayez du verre, ce que je ne vous conseille pas, je vais appliquer un objet à la surface du verre et je vais augmenter la force progressivement. Et si je fais ça, je vais avoir trois régimes de rayures. Le premier régime, je vais juste faire une déformation irréversible de la surface. Donc le verre ici, il n'y a pas de verre qui a été arraché, je vais juste déformer le verre de manière permanente. J'augmente un peu la force et je vais avoir des petites fissures qui apparaissent. Et si j'augmente encore la force, là je vais faire de l'abrasion, je vais labourer le verre, je vais arracher des morceaux de verre. Alors déjà, ça nous, on veut comprendre qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce que c'est que cette déformation irréversible. Et pour ça, on développe des lois de comportement, des modèles, et on cherche les paramètres pertinents pour alimenter ces modèles et être capable de prédire cette déformation irréversible. Donc quand vous faites un essai de rayure, vous appliquez une force, vous avez un objet pour rayer la surface du verre, qui a une certaine géométrie, et ce qu'on peut regarder expérimentalement, c'est quelle est la géométrie de la rayure. Donc ça, on peut le faire par microscopie, de différentes façons. Mais le verre, particulièrement la silice, s'il a une déformation irréversible, c'est parce que quand vous le rayez, vous le densifiez, vous le compactez, le verre. Et ça, il faudrait pouvoir mesurer en fait quelle est la densité du verre local quand on a rayé le verre. Nous, on est capable de faire des modèles, des simulations qui vont nous prédire comment le verre a été densifié sous la rayure. Donc là, vous avez la rayure qui est ici. Et sous la rayure, le verre s'est densifié, s'est compacté, sa masse volumique a augmenté, sa densité, si vous préférez, a augmenté. Et on a ça comme simulation. Il nous faut une comparaison avec l'expérience. Quel est le problème? C'est qu'il faut mesurer sous la rayure la densité. Et il faut mesurer à des tout petits volumes comment la densité a changé sous le verre. Donc on a un collègue, Jean-Pierre Guin, qui a remarqué une chose, c'est que quand on dissout du verre dans l'eau, il se dissout plus vite s'il était densifié que s'il n'a pas été densifié. Et en mesurant la vitesse de dissolution du verre, on peut remonter une cartographie de densité et pouvoir la comparer à l'expérience. Donc le but est toujours le même, multiplier les expériences pour multiplier les points de comparaison entre les modèles et l'expérience et savoir si on a une capacité de prédiction de ce qui se passerait pour n'importe quel type de gel, n'importe quel type de force. Donc après, pour tout le reste, c'est un peu plus compliqué, mais on s'approche de comprendre comment les fissures s'initient et ce genre de choses. Donc maintenant, on va partir du principe que voilà, le mal est fait, la fissure est présente à la surface du verre, et on se pose la question, mais quelle contrainte peut supporter le verre une fois qu'il y a une fissure qui est présente à sa surface? Donc on appelle ça la ténacité, et pour faire simple, une ténacité, c'est je prends un verre, j'ai une fissure dedans, d'une profondeur de 1 micromètre, combien de gigapascal le verre peut supporter avant de casser? Donc comment on fait ça? D'abord, il faut créer des défauts, il faut créer une petite fissure dans le verre de manière très contrôlée. Il faut propager la fissure jusqu'à ce qu'elle ait la longueur qui nous va bien. Et une fois qu'on a fait ça, on a beau torturer le verre, on fait les choses très doucement, on va propager cette fissure jusqu'à ce qu'il se casse et regarder quelle est la contrainte qui était nécessaire pour casser le verre. Et donc là, vous avez le gros problème du verre, c'est qu'il est peu ténace, il résiste très très mal à la présence d'une fissure. Donc il est très résistant en l'absence de fissure, mais dès qu'une fissure est là, il est très peu ténace, il résiste mal aux fissures. Donc là, vous avez les verres classiques, les silicates que vous connaissez naturellement. Les verres de Calcogénure sont très mauvais à ce jeu-là. Mais par contre, ce que vous pouvez voir ici, c'est que les verres métalliques, eux, sont très très bons à ce jeu. Ils ont des très grandes ténacités, ils résistent bien à la présence de fissures. Donc les verres métalliques se rapprochent des métaux standards en termes de résistance, voire des fois ils les dépassent, en termes de résistance à la rupture. Donc si on veut s'amuser à jouer avec ce paramètre, essayer de changer la ténacité des verres, il faut s'amuser à comprendre comment les fissures se propagent dans le verre. Donc là, vous avez une expérience qui est ici, vous avez un verre qui est ici, qui est comprimé, puis il y a un trou au milieu percé ici. Quand on comprime le verre avec un trou au milieu, on va générer une fissure. Et là, c'est la vidéo que vous allez voir. La fissure va s'initier, et une fois qu'elle est initiée, on arrive à la contrôler, à la faire avancer comme on veut, et on peut regarder ce qu'elle fait et comment elle choisit son chemin dans la matière. Donc en particulier, si on s'amuse à faire des composites de différents verres, on peut regarder si la fissure, en fait, elle va s'amuser à contourner les obstacles, ou si elle va être déviée par les obstacles, et si on peut contrôler quelque part sa trajectoire et faire en sorte que le chemin à parcourir pour la fissure soit le plus compliqué possible. Nous, ce qu'on veut faire, en fait, c'est gêner la fissure au maximum. On va être un tout petit peu plus violent cette fois-ci. Quelle est la problématique? La problématique, c'est que, bon, vous le savez sans doute, le ciel est une véritable poubelle.
Et quand vous regardez autour de la Terre, en orbite, il y a énormément de déchets, et des déchets supérieurs à 1 mm, il y en a plein, donc des déchets qui sont dangereux pour les satellites. Et il faut éviter les collisions avec les satellites, ou alors il faut protéger les satellites. Donc il faut développer, ou les satellites, ou l'ISS, hein, il faut développer des matériaux qui serviront de boucliers, qui seront résistants aux impacts. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec le verre? Ben, il se trouve que les verres métalliques sont d'excellents candidats pour ça, parce que comme je vous l'ai dit, ils ont une très grande résistance à la rupture. Donc là, ce que vous voyez, c'est la surface de rupture d'un verre métallique en microscopie électronique. Et donc, on s'amuse simplement à essayer de comprendre ici qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la fissure, comment la fissure s'est faite, par où elle passe, et comment la chimie quelle est la chimie de la fissure, de la surface de rupture. Donc voilà, je vous ai dit, les verres métalliques sont résistants à la rupture, et donc c'est des bons candidats en particulier pour ces applications. Donc les déchets dans l'espace, il faut imaginer qu'ils se déplacent à plus de 7 km par seconde. Sur Terre, c'est plus de Mach 20, c'est très rapide. Donc en fait, reproduire ça en laboratoire, envoyer un projectile à Mach 20, c'est extrêmement difficile. Enfin, c'est extrêmement difficile, il faut plus que d'explosifs pour propager, pour envoyer le projectile. Donc on ne fait pas ça avec un projectile, on ne fait pas ça avec l'étoile de la mort non plus. Mais on envoie un faisceau laser sur le verre. Alors le faisceau laser, pour avoir les ordres de grandeur, c'est 160 gigawatts. La puissance que toute la France consomme en ce moment, c'est 55 gigawatts. Sauf qu'on va les envoyer pendant 600 picosecondes, un très court intervalle de temps. Ça fait 100 joules, et si vous n'avez pas l'unité en référence, ça fait 100 kWh. C'est pas très cher en électricité. Donc on va envoyer un faisceau laser sur le verre, donc il va arriver de la gauche, il va arriver d'ici, et en fait, quand il va toucher la surface, il va transformer le verre en gaz, en plasma. Ça va créer une onde de choc dans le verre, et vous voyez que ça arrache déjà de la matière du côté où le laser arrive. Maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est on prend l'échantillon qui était là, juste pour le regarder, et on ne regarde pas la face qui a reçu le laser, mais la face opposée à l'arrivée du laser, parce qu'il y a une onde de choc qui s'est propagée dans le verre. Et là, c'est très violent. L'onde de choc, elle peut arracher de la matière dans le verre. Donc là, vous voyez, donc c'est filmé en caméra rapide, bien sûr. Vous voyez un gros morceau de verre qui est parti derrière. Donc, quel est le but? Le but, c'est de modéliser à nouveau ces phénomènes pour prédire ce qui se passe pendant un choc, comment le verre va se déformer, comment il va s'altérer, comment ces morceaux de verre vont être éjectés derrière, et notamment pourquoi on regarde s'ils sont éjectés, parce que tous ces morceaux qui sont éjectés peuvent être potentiellement des nouveaux débris, et donc il faut prédire la dangerosité de ces nouveaux débris. Et donc c'est toujours la même histoire, on cherche à valider les modèles par l'expérience. Donc à gauche, c'est pas du verre métallique, c'est un verre de silicate, et qui est transparent, et vous voyez l'onde de choc qui se propage dans le verre. Et donc là, à côté, vous avez la simulation de l'équivalent, le faisceau laser qui arrive et l'onde de choc qui se propage dans le verre. Donc toujours la même idée, on cherche à faire des expériences pour valider des modèles et prédire ce qui va se passer. Maintenant, la question, c'est, et demain, comment on fait de la science des matériaux? Comment on peut prédire des choses et comment on peut développer des nouveaux modèles? Demain, ce qu'on va faire, c'est simuler la matière atome par atome, ce qu'on appelle la dynamique moléculaire. Le principe est assez simple, la matière est faite d'atomes. Entre les atomes, il n'y a pas vraiment des bâtons en réalité. Il y a des interactions, il y a des forces. Et ces forces, il faut les décrire. Donc on décrit ces forces, on cherche à trouver des équations qui décrivent ces forces. Et une fois qu'on a ça, on peut faire ce qu'on appelle la dynamique moléculaire, simuler la matière atome par atome. Donc c'est très coûteux en temps de calcul, c'est très coûteux en ordinateur. Mais on arrive à faire ce genre de choses. À quoi ça sert? Déjà, en simulant la matière à échelle atomique, ça nous donne une sorte de microscope virtuel qui nous permet de voir quels sont tous les mécanismes de déformation, quels sont tous les mécanismes d'endommagement, quels sont tous les mécanismes de fissuration dans le verre. Et ensuite, ça nous permet de faire des prédictions. Donc on peut fabriquer numériquement des verres qu'on n'a jamais fait pour prédire quelles vont être les propriétés de ces verres. Alors nous autres, les expérimentateurs, on n'est pas pour autant au chômage. Il faut toujours faire des expériences, parce qu'il faut toujours comparer ce que va prédire la simulation en dynamique moléculaire à l'expérience. Et pourquoi? Parce que à la base, on a toujours quelque chose qu'on a supposé, une interaction entre atomes, et qu'il faut la valider. Donc il faudra toujours faire des expériences pour comparer les simulations à l'expérience et valider les paramètres qu'on met dans nos simulations, donc ici les interactions entre atomes. Donc voilà, si je dois résumer notre travail, on cherche à prédire la tenue en service des verres. Donc on cherche à définir les propriétés du verre, donc un paramètre matériau, qui dépend du matériau. On cherche à développer des lois de comportement, des modèles qui nous permettent de définir ce qu'on appelle la tenue en service, comment le verre va supporter toutes les contraintes mécaniques qu'on va lui faire subir.
Et après, on cherche à faire le chemin inverse, c'est-à-dire, bah, une fois qu'on a compris tout ça, quelles sont les propriétés matériaux qu'on cherche pour avoir la tenue en service qu'on veut. Et donc, ce que j'ai caché, ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est qu'en réalité, ces propriétés matériaux, bah, elles ne sont pas, ce que j'ai dit, elles ne sont pas intrinsèques aux matériaux, elles ne dépendent pas que du matériau, elles dépendent de l'environnement. Donc, ça peut être la température, ça peut être l'histoire thermique pour les verres, donc à quelle vitesse on la refroidit. Et ça peut dépendre de l'environnement, de l'humidité, du pH, de l'acidité du milieu. Et donc tout ça, ça a énormément d'effets sur les verres. Donc c'est des choses bien sûr qui nous intéressent aussi. Les fibres optiques qui sont chez vous, bah, elles sont sensibles à l'eau, elles sont sensibles à l'atmosphère. Et donc il faut être capable de prédire comment ces fibres optiques vont résister au temps. Donc savoir si la fibre optique qui a été mise chez vous, elle va durer 5 ans, 10 ans ou 100 ans. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vais laisser la parole à Louisiane pour vous parler du travail de l'équipe Verre et Céramique. Merci à tous. Merci. Bonsoir à tous. Donc, de mon côté, je vais vous parler d'une partie des recherches de l'équipe Verre et Céramique de l'Institut des sciences chimiques de Rennes. Donc, vous l'avez compris, le verre est un étrange état de la matière par sa structure, avec un désordre à l'échelle atomique, contrairement aux cristaux, et par ses propriétés mécaniques. Mais c'est aussi un étrange état de la matière par sa chimie, et c'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie de soirée. Donc les verres que vous avez l'habitude de côtoyer sont des verres à base d'oxygène, souvent associés au silicium. Mais il existe aussi des verres à base de fluor, qui ont d'ailleurs été découverts au laboratoire à Rennes en 1974. Et on peut également faire des verres à base d'éléments chalcogènes, qui sont le soufre, le sélénium et le tellure. Donc on descend de plus en plus dans le tableau périodique. Et associés à des éléments proches d'eux, comme le gallium, le germanium ou l'arsenic, on obtient les verres de chalcogénure. Il existe aussi des verres métalliques dont Yann a parlé, mais ils ont des propriétés très différentes des autres verres et je ne vais pas en parler ce soir. Donc je vais me concentrer sur les verres de chalcogénure, qui sont une des spécialités de l'équipe verre et céramique. Cette équipe comprend 41 personnels permanents et 30 personnels non permanents et travaille sur d'autres thématiques de recherche, comme les céramiques transparentes, les bioverres, le recyclage du verre, etc. Et donc la recherche sur les verres de chalcogénure porte sur la formulation, la synthèse des verres, l'étude de leur structure, de leur mise en forme, caractérisation de leurs propriétés optiques, électriques, pour différentes applications. Les recherches de l'équipe Verre et Céramique ont mené à la création de 4 entreprises. Alors, en termes de formulation, on peut visualiser la composition chimique des verres de chalco sur des diagrammes ternaires. Alors, ces diagrammes sont juste pour visualiser la proportion d'atomes dans un matériau. Donc ici, gallium, germanium, sélénium, sélénium étant l'élément chalcogène. Et donc si on regarde les compositions cristallisées dans la littérature, il en existe un nombre fini, donc j'ai donné 3 exemples donc, à gauche du diagramme. Alors que si on regarde les compositions amorphes, on couvre un large domaine de composition et on peut vraiment jouer sur la proportion des différents atomes pour moduler les propriétés physiques du matériau. Par exemple, la couleur. Alors pour illustrer ce phénomène, je vais utiliser un autre diagramme. Là, en haut à gauche, on est sur des éléments chimiques et en bas, on est sur des composés, donc sulfure de gallium, sulfure de germanium et chlorure de césium. Et donc le diagramme amorphe est complètement différent. Et en modifiant le taux de chlorure de césium dans la composition du verre, on modifie la couleur de ce verre. Alors comment obtient-on les verres de chalcogénure ? Donc la synthèse traditionnelle comprend 3 étapes. La première, donc peser et mélange des précurseurs. Ensuite, les précurseurs sont portés à haute température pour atteindre un liquide. Et le liquide est trempé, c'est-à-dire qu'on abaisse la température du milieu réactionnel brutalement. Alors le problème avec les verres de chalcogénure, c'est qu'ils sont volatiles à haute température et sensibles à l'air, donc oxygène et eau. Donc on ne peut pas les couler comme un verre d'oxyde à l'atmosphère ambiante. Donc pour résoudre ces problèmes, on travaille en ampoule scellée et sous vide. Donc ici, je vous ai mis une photo d'un montage typique de synthèse de verre de chalcogénure où on introduit donc les précurseurs dans un tube de synthèse en verre de silice. On évacue l'air grâce à une pompe à vide et les vapeurs sont piégées dans un piège à azote liquide.
Et ensuite, il suffit de sceller au chalumeau l'ampoule en verre de silice et on obtient les précurseurs dans une ampoule que l'on peut porter à haute température dans un four tubulaire basculant qui permet d'homogénéiser le bain fondu. Alors, on synthétise un verre dans un verre, mais les précurseurs des verres de chalcogénure fondent à beaucoup plus basse température que la température maximale d'utilisation de la silice, qui est autour de 1100-1200 degrés. Donc, l'ampoule est intacte et on peut donc tremper le verre dans l'eau, par exemple. Cela dépend des compositions chimiques. Et ensuite, on fait une étape de recuit qui permet de relarguer les contraintes mécaniques, comme Yann en a parlé. Et donc, on obtient un barreau de verre. Et là, on peut voir au-dessus les vapeurs en fait, de l'élément chalcogène, ici le sélénium, qui se sont déposées, mais qui sont quand même contenues dans l'ampoule. Donc, il existe d'autres méthodes de synthèse des verres, comme le broyage mécanique haute énergie, mais je ne vais pas en parler ce soir. On peut ensuite, donc après, avec ce barreau, le mettre en forme et en fonction de l'application visée. On peut le mouler. Donc ici, on a mis un disque de verre dans un moule que l'on porte à haute température, donc à une température choisie de façon adéquate pour pas que le verre recristallise. Et il va ramollir pour former, par exemple, des lentilles. On peut également faire des couches minces de verre, hein, donc par dépôt, par procédé physique, où donc on a une cible en verre de chalcogénure que l'on vient bombarder avec des ions argon. Et on va éjecter des atomes du verre de chalco qui vont venir se déposer sur un substrat, par exemple en silicium, et on obtient ainsi une couche mince d'éléments chalcogènes. Et on peut mettre un masque et ainsi imprimer un pattern sur ces couches minces pour réaliser des capteurs. On peut également fibrer ces verres de chalcogénure. Donc le fibrage consiste à mettre un cylindre de verre qu'on appelle une préforme, donc dans un four annulaire qui vient chauffer la préforme jusqu'à la ramollir suffisamment pour former une goutte qui va donc couler, tomber par gravité et entraîner l'étirement de la préforme en un fil de verre qui n'est autre chose qu'une fibre optique. On va pouvoir donc mesurer et contrôler le diamètre de la fibre. Comme vous le voyez sur la vidéo, donc on l'a fait passer par un mesureur de diamètre. Et ensuite, on vient fixer cette fibre sur un tambour d'enroulement et on peut ainsi créer des mètres et des mètres de fibres optiques. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de fonctionnement d'une fibre optique, mais une fibre, en fait, transmet la lumière. Et c'est par ce principe, c'est le même principe que pour la formation de fibres en silice qui sont à la base des télécommunications et donc d'Internet. On peut également, alors ça c'est une technique qui est très récente au laboratoire, l'impression 3D de verre, donc elle date de 2021, comme vous pouvez le voir sur les références. Et en fait, les verres de chalcogénure ramollissent à plus basse température que les verres d'oxyde. Et en théorie, donc, c'est une technique, l'impression 3D, adaptée à cette composition de verre. Et on peut former différentes géométries, des billes, mais également des cylindres. Et donc là, ce cylindre a une géométrie particulière en son cœur. Et là, on peut combiner deux types de mise en forme, impression 3D et fibrage, puisque ce cylindre peut être pris en préforme de fibre optique et ainsi être étiré. Et ce qui est assez fascinant ici, c'est que la structure au sein du cylindre donc, est conservée pendant le fibrage. Et on passe donc d'un cylindre de 1,5 cm de diamètre environ à une fibre optique d'une centaine de micromètres de diamètre. Et la géométrie est conservée. Alors, pour préparer cette conférence, j'ai souhaité recueillir des adjectifs clés auprès de mon entourage, principalement non scientifique, pour qualifier le verre. Donc, j'ai eu une centaine de réponses, des mots assez poétiques parfois. Et la notion l'adjectif qui apparaît le plus sans trop de surprise est transparent. Et de façon générale, j'ai eu beaucoup d'adjectifs qui qualifient donc les propriétés optiques des verres. Alors j'aimerais revenir sur cette notion de transparence, car elle n'est pas forcément évidente lorsque l'on voit les verres que l'on synthétise dans l'équipe verre et céramique, et pourtant ces verres sont transparents. Et pour expliquer cette transparence, il faut que l'on revoie le spectre électromagnétique de la lumière. Donc ici,
Encadré en rouge, vous avez le spectre, le domaine visible, en fait, donc, que l'on peut voir donc, à l'œil nu, qui va du bleu au rouge. Mais il existe de la lumière avec une longueur d'onde plus courte, les rayons X, les rayons UV, et des longueurs d'onde plus importantes, les infrarouges, les micro-ondes et les ondes radio. Donc si l'on voit, si l'on regarde un barreau de verre de chalcogénure à l'œil nu, en fait, donc effectivement, il apparaît opaque. On ne voit pas donc, les doigts de la main à travers ce barreau. Par contre, si on s'intéresse au rayonnement infrarouge, donc tout corps qui chauffe émet un rayonnement dans l'infrarouge. Donc si par exemple, on éteignait la lumière et que j'étais dotée d'une caméra infrarouge, je pourrais quand même distinguer vos positions dans l'amphi. Et donc, si on regarde cette main par rayonnement infrarouge, eh bien, en fait, on voit les doigts à travers du barreau de verre de chalcogénure. Et donc, ce type de verre est transparent dans l'infrarouge. Alors, comment mesure-t-on la transparence d'un matériau? On envoie un rayonnement lumineux sur le matériau à caractériser. On va faire varier la longueur d'onde de ce rayonnement et on mesure ce qu'il en ressort. Et on obtient ainsi un graphe qui trace l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Et la zone où le verre n'absorbe pas, donc il est transparent, s'appelle la fenêtre optique. Donc, à basse longueur d'onde, la montée du front d'absorption est due aux transitions électroniques dans un solide. Donc un solide est constitué d'atomes qui sont eux-mêmes constitués d'électrons. Ces électrons ont une certaine énergie qui se répartit selon une bande. Et on peut déterminer cette énergie et on peut également déterminer l'énergie des premiers niveaux accessibles si on excite le matériau. Et la différence d'énergie entre les deux, dans le cas des verres de chalcogénure, il existe un écart donc, d'énergie qu'on appelle le band gap. Donc si on envoie un rayonnement lumineux d'énergie E sur un matériau, on peut induire des transitions électroniques des niveaux occupés au niveau vide. Alors là, il faut noter que l'énergie est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Donc plus on a une longueur d'onde faible, plus l'énergie du rayonnement sera importante et vice-versa. Donc si on a une longueur d'onde qui est au-delà de la longueur d'onde reliée de l'énergie de band gap, on ne va pas avoir suffisamment d'énergie pour induire une transition électronique. Et donc le rayonnement va traverser le matériau et le rayonnement ne sera pas absorbé et donc notre matériau sera transparent. Par contre, si on a une longueur d'onde inférieure à cette longueur d'onde critique, eh bien là, le rayonnement aura suffisamment d'énergie pour induire cette transition et le matériau va absorber et donc va être opaque au rayonnement incident. Et ce phénomène dépend de la composition et de la structure du solide. Donc, si on regarde différentes compositions de verre, eh bien la silice SiO2, elle, a une énergie de band gap qui correspond à une longueur d'onde de 220 nanomètres et va ainsi transmettre tout le rayonnement visible et nous apparaître transparente. Si on prend un autre verre d'oxyde, l'oxyde tellure et l'oxyde de zinc, eh bien, quant à lui, il va absorber les bleus et nous apparaître jaune. Un verre de sulfure d'arsenic va absorber les bleus, les verts et les jaunes et apparaître rouge. Et enfin, un verre de germanium, arsenic, sélénium, lui, va couper tout le domaine visible et être transparent après. Donc, c'est pour ça qu'il est opaque, on le voit opaque dans le visible. Donc, si on regarde de l'autre côté de la fenêtre optique, donc au niveau des plus grandes longueurs d'onde, eh bien, la montée du front d'absorption va être due aux vibrations dans le réseau vitreux, donc entre deux atomes liés entre eux, par exemple sélénium, germanium. Et la longueur d'onde de vibration du réseau vitreux va être d'autant plus élevée que les atomes concernés sont lourds. Donc, par exemple, pour je repars sur la silice, son seuil d'absorption va être au niveau aux alentours de 3 micromètres. Et plus on va se décaler dans le tableau périodique, plus on va donc être avec des atomes lourds, et on va décaler cette montée du seuil d'absorption jusqu'à 20 microns. Et si on regarde le spectre électromagnétique de la lumière, donc à 20 microns, on est dans le domaine infrarouge. Donc nos verres sont transparents dans le proche infrarouge et milieu moyen infrarouge. Alors cette transparence, elle trouve de nombreuses applications. Donc par exemple dans des dispositifs optiques, donc des lentilles, hein, pour l'imagerie dans le domaine infrarouge. Donc par exemple ici, ce conducteur à l'œil nu ne voit pas les piétons qui sont au bord de la route, mais grâce à une caméra infrarouge embarquée, il peut les détecter puisque tout corps qui chauffe émet un rayonnement dans l'infrarouge. On peut également faire des mesures d'imagerie thermique, donc dans le domaine médical pour détecter des varices ou des tumeurs cancéreuses, ou le domaine industriel pour trouver des fuites thermiques sur certains appareils.
On utilise également la transparence pour des capteurs donc en couche mince. Et je vais détailler un exemple qui est la détection de polluants dans l'eau. Et donc là, je reprends l'image du capteur qui avait été obtenu donc par dépôt par procédé physique. Et pour vous expliquer comment il fonctionne, je vais m'appuyer donc sur une vision en coupe et une image au microscope électronique à balayage. Donc c'est un microscope qui a une meilleure résolution qu'un microscope optique. Donc si on détaille ces couches, en fait, on a donc le substrat en silicium avec une première couche d'éléments chalcogènes sur lequel on est venu déposer avec un masque une deuxième couche d'éléments chalcogènes, mais comme un trait en fait sur le capteur qui va pouvoir guider la lumière. Donc ce guide est protégé par une couche de polymère sur laquelle on peut faire circuler de l'eau. Et là, vous avez en haut à droite donc une image donc d'une cellule microfluidique avec l'arrivée d'eau et la sortie. Donc dans ce guide de chalcogène, on va pouvoir faire passer un rayonnement infrarouge, donc avec une source en entrée et un détecteur. Et en l'absence de polluants dans l'eau, eh bien comme le verre de chalcogénure va être transparent dans l'infrarouge, eh bien il ne va pas absorber, donc on aura une absorbance nulle. Si cette fois-ci on fait passer une eau polluée dans la cellule microfluidique, les molécules de polluants en fait vont migrer dans le polymère. L'onde va être en partie absorbée par ces molécules et on va pouvoir en fait déterminer donc la signature spectroscopique de molécules polluantes telles que le benzène et le toluène dans l'eau. Donc là, on a vraiment un capteur qui nous permet de mesurer in situ les polluants dans l'eau. Alors ce principe peut aussi être utilisé avec des fibres optiques pour par exemple le diagnostic de fonctionnement d'une batterie. Donc là, pareil, je vais juste détailler un exemple. Donc les batteries que vous avez tous dans vos téléphones portables sont constituées donc d'une électrode positive, d'une électrode négative, avec donc des séparateurs entre les deux, et surtout un électrolyte liquide qui est constitué de différentes molécules. Et ces molécules peuvent évoluer, se dégrader au cours des cycles de charge et de décharge de la batterie. Et en fait, en faisant passer une fibre optique dans cet électrolyte liquide, et un rayonnement infrarouge, on va pouvoir, pareil, suivre l'évolution, donc avec le même principe que les polluants, ces molécules vont absorber une certaine partie du rayonnement infrarouge, et on va pouvoir suivre l'évolution de l'électrolyte liquide. Alors pour revenir au sondage, si je combine les notions de cassant et fragile, c'est le deuxième adjectif qui ressort le plus, et effectivement, comme je pense que vous l'avez compris avec la conférence de Yann, le verre est un matériau qui supporte assez mal les défauts. Et une façon, du point de vue de la chimie, de remédier à cela, c'est de le faire cristalliser et d'obtenir des vitres céramiques que vous avez peut-être chez vous dans votre cuisine. Donc en fait, ça peut paraître un peu paradoxal, mais en fait, on va refaire cristalliser le verre, mais cette fois-ci de façon contrôlée. Donc on va créer des petites particules cristallisées au sein du verre. Donc ici, je vous montre une image en microscopie électronique en transmission cette fois-ci. Donc on a une résolution encore meilleure que la microscopie électronique à balayage que je vous ai montrée tout à l'heure. Et donc on voit là sur cette image donc cette particule cristallisée où on voit les plans atomiques bien ordonnés au sein d'une matrice vitreuse désordonnée. Alors comment obtient-on ces vitres céramiques ? Donc, si je reprends la courbe de température de synthèse d'un verre, et bien après l'étape de mise en forme, on peut recuire le verre à une température pareille, bien choisie en fonction de sa composition, pour faire croître ces particules cristallisées. Donc ici, je vous ai mis des particules sphériques réparties en volume de façon aléatoire, mais tout va dépendre de la composition chimique du verre. On peut avoir une cristallisation en surface et avec des géométries différentes. Et donc, en effet, ce processus permet de renforcer les propriétés mécaniques. Donc, par exemple, ici, on a fait un défaut là, à la surface du verre. Et ce défaut donc, est bien moins marqué sur des vitres céramiques recuites à deux temps de recuite différents. Mais le défi, je dirais, est de conserver quand même la transparence du matériau, puisque quand on fait apparaître, cristalliser ces particules, en fait, on crée aussi de la diffusion de la lumière et on va opacifier le matériau. Donc le challenge est de trouver le bon équilibre entre renforcer les propriétés mécaniques et tout en conservant la transparence, qui est quand même l'intérêt des verres de chalcogénure, enfin des verres en général.
Alors, au-delà des propriétés mécaniques, la cristallisation dans les verres a d'autres intérêts. Donc, on peut modifier les propriétés optiques du matériau. Donc ici, on a mis un cylindre ou un disque de verre dans un four avec un profil thermique assez particulier. On a chauffé plus en périphérie qu'au centre. Et ainsi, on a une densité de cristaux plus importante en périphérie qu'au milieu. Donc la fraction de verre augmente lorsqu'on se rapproche du centre. Et là, les cristaux qui ont été formés dans ce verre ont un indice de réfraction qui est différent de la matrice vitreuse. Et donc, on crée un gradient d'indice de réfraction, ce qui permet en fait de créer une lentille plate. Donc, c'est-à-dire que si on regarde donc une grille à travers un disque de verre à la caméra infrarouge, cette grille va apparaître non déformée. Par contre, pour la vitrocéramique, on voit un effet de zoom qui se forme. Et donc, on a créé une lentille plate, à l'inverse des lentilles courbées que l'on obtient par moulage. Et cela permet ainsi de corriger des aberrations chromatiques ou de minimiser le volume des dispositifs optiques en utilisant ce type de lentille. Alors, un autre intérêt de la cristallisation dans les verres, et là, je m'éloigne des verres de chalcogénure, je parle un peu de verres d'oxyde, mais c'est un exemple que j'aime bien, qui, en fait, se retrouve sur des porcelaines chinoises anciennes. En fait, le verre ici promeut la cristallisation d'une forme rare d'oxyde de fer avec des particules de taille micrométrique, alors que les chimistes au laboratoire ont pour l'instant seulement réussi à obtenir ce polymorphe de l'oxyde de fer avec des particules de l'ordre du nanomètre, donc 1000 fois plus petites. Et pour une raison qui n'est pas encore résolue, la présence de ce verre à la surface des porcelaines promeut la cristallisation de cette phase. Et enfin, la cristallisation dans les verres permet d'obtenir des phases métastables. Donc là, ce sont des phases que l'on ne peut pas obtenir par chimie classique, par synthèse classique. On est obligé de passer par l'état vitreux pour les obtenir. Donc par exemple, cette phase à base de lithium, phosphore et soufre, il faut passer par le verre à base de soufre pour l'obtenir. Alors, j'attire votre attention sur le fait que cette phase, elle est composée de lithium, donc de l'ion Li+, et en fait, elle va être conductrice. Ce qui m'amène à la dernière partie de mon exposé, et donc là, je me concentre sur un mot qui est ressorti, qui est donc l'adjectif isolant. Car effectivement, quand on pense au verre, on pense aussi à l'isolation thermique, avec la laine de verre, ou à l'isolation électrique avec les câbles haute tension. Et pourtant, certains verres en fait, vont être conducteurs, puisqu'un matériau peut conduire des électrons, mais il peut aussi conduire des ions. Et certains verres, notamment dans les verres de sulfure, vont être composés de lithium ou de sodium, et on peut les utiliser ainsi en électrolyte solide. Alors, je reprends donc le schéma des batteries où on a donc la cathode et l'anode séparées par un électrolyte. Tout à l'heure, c'était un électrolyte liquide, comme toutes les batteries que l'on a. Mais là, cette fois-ci, le verre peut faire partie intégrante de la batterie et remplacer l'électrolyte liquide par un électrolyte solide sous forme de poudre. Et cet électrolyte, il y a de plus en plus de recherches sur cette thématique, car cela pourrait permettre de résoudre des problèmes de sécurité, et vous avez peut-être entendu parler des problèmes d'inflammabilité des électrolytes liquides dans les batteries. Donc, voilà, je vous ai montré que la diversité de compositions chimiques et de mise en forme des verres de chalcogénure offre de nombreuses applications que l'on n'attend pas forcément, comme des capteurs, des batteries, caméras infrarouges, fibres optiques, vitrocéramiques, etc. Les verres de chalcogénure donc, sont utilisés pour leurs propriétés optiques de transparence, leurs propriétés électriques, donc la conductivité. Et c'est vraiment une recherche en constante évolution dans l'équipe verre et céramique. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous mes collègues de verre et céramique et aussi pour m'avoir donné l'opportunité de faire cette conférence, et en particulier ceux dont j'ai montré les recherches ce soir. Et aussi, je voudrais remercier les doctorants et les stagiaires qui font un travail formidable au labo, et je vous remercie pour votre attention. Ah
oui, c'est pas simple hein, quand même tout ça. Il faudra peut-être faire quelques petites piqûres de rappel, c'est-à-dire regarder de nouveau cette conférence pour tout bien comprendre, puisqu'elle fera partie de la collection des mardis de l'espace des sciences. Alors, il y a des questions dans la salle, je le suppose. Vous pouvez faire signe et on vous donnera le micro. Il y en a aussi ici sur le chat internet de notre chaîne YouTube où il y a environ 190 spectateurs qui ont suivi la conférence et on parlait de cristallisation, là c'est peut-être le moment de parler de certaines questions comme celle-ci de Vincé. Un verre en cristal, c'est en fait trompeur, non? Car il s'agit d'un verre et pas du tout d'une structure cristalline. C'est une mauvaise blague pour les physiciens. D'accord. Et les chimistes. Un verre de cristal, c'est un verre qui contient du plomb. Oui. C'est la définition du verre de cristal. Et ça a été appelé verre de cristal parce que c'était beau comme du cristal. D'accord. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit ordonné à échelle atomique. C'est bien un verre. C'est un verre au plomb. Donc c'est toujours intéressant de voir les questions-réponses qui se font entre nos auditeurs. S'il y a une question dans la salle, je donne tout de suite le micro. Voilà, on vous l'apporte là-haut. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que les vitraux céramiques à gradient d'indice, ils pourraient remplacer les lentilles convergentes dans des télescopes ou autres, où ça a des propriétés complètement différentes ? Oui, c'est l'objectif. Alors pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais oui, c'est l'objectif de remplacer, d'avoir des lentilles qui prennent moins de volume. Existe-t-il sur le marché un verre dont l'indice de réfraction est proche de 1, ce qui lui permettrait de gagner en invisibilité? Je ne sais pas si l'un ou l'autre vous pouvez répondre à cette question. Bah les verres de calcose ont un indice hyper élevé, donc ce ne sera pas eux. L'indice de réfraction d'un verre fait que ça change la vitesse de la lumière. Un verre qui a un indice de 2, par exemple, la lumière va deux fois moins vite que dans le vide. Donc un verre qui a un indice de 1, la lumière ne serait pas ralentie par le verre. Ouais. Ça serait quand même très spécial. D'accord. Moi, je pose des questions hein, qui sont que l'on me transmet. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Pour le moment, non. Tout le monde a tout compris, c'est formidable. Je continue alors. Qu'est-ce qu'on avait vu comme question qui était... Oh là là là, c'est pas simple. Je voulais vous dire, certains d'entre vous s'étonneront peut-être que André ne soit pas là pour poser sa question. Alors, je vous donne des nouvelles. Les habitués des conférences des mardis de l'espace des sciences comprendront. André est souffrant. Nous avons une grande pensée pour lui. Voilà, c'est fait. Il nous a prévenu de son absence. Je continue. Alors, pour la plaisanterie aussi, un de nos habitués sur Internet dit ceci. Je sens que le tri sélectif de verre va se compliquer et un autre habitué lui répond en effet, question, ces verres sont-ils faciles à recycler? Référence quand même, je ne sais pas d'ailleurs à quel moment de la conférence. Bah, peut-être vous allez pouvoir répondre. Peut-être plus aux verres de... Oui, parce que les verres d'oxyde, oui, on peut les recycler, mais les verres de calco, c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'on a besoin, donc on les utilise pour leur propriété de transparence, on a besoin d'une très grande pureté. Et donc, en général, je ne crois pas qu'il y ait d'études pour les recycler. Enfin, on les refait à chaque fois. Alors, à propos de la diapo, endommagement, fissuration et rupture, la question est, est-ce le principe des découpes au diamant comme dans les films de cambriolage? Oui, il ne faut pas le dire, mais... Oui, le principe, c'est ça, c'est qu'avec le diamant, on vient créer... un défaut à la surface du verre. Pourquoi le diamant? Parce que c'est beaucoup plus dur que le verre. Ça évite d'avoir un outil qui s'endommage à chaque fois. Donc on vient créer un défaut à la surface du verre qui vient créer une amorce de fissure. Et puis après, on vient tirer sur cette fissure et ça casse à l'endroit où on a créé le défaut. D'accord. Donc c'est exactement le principe. C'est exactement le principe. Bon, la fluidité est-elle inversement proportionnelle à la viscosité? Alors, au sens strict de la physique, la définition de la fluidité, c'est l'inverse de la viscosité. C'est sa définition simple. D'accord. C'est 1 divisé par la viscosité. D'accord. Plus un verre est fluide, et plus sa viscosité est faible. D'accord.
Question, oui, je vous en prie. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. J'ai une question sur l'intelligence artificielle. Je voulais savoir, donc, puisque l'intelligence artificielle ne nous dit pas l'équation qui va permettre de lier prédiction et propriété et comportement, donc elle marche comme une boîte noire, est-ce que ça veut dire qu'en ce qui concerne les vers, on va gagner en prédictivité au prix de renoncer à comprendre ce qui se passe ? C'est ce qui gêne beaucoup certaines personnes, c'est que depuis des années, on cherche à développer des équations en comprenant chacun des rôles de chacun des constituants d'un matériau. Par exemple, ça touche tous les domaines de la physique, mais ici, on cherche à comprendre le rôle de chacun des éléments. Et depuis des années, on a du mal à trouver, on trouve des équations qui ne sont jamais universelles. Et là, en fait, l'intelligence artificielle nous dit, voilà, c'est ça. Et elle ne va pas nous dire pourquoi, mais elle va nous dire, voilà, c'est ça. Effectivement, c'est choquant pour beaucoup de personnes, mais d'un point de vue applicatif, c'est génial, puisqu'on peut tout de suite chercher ce qui nous intéresse. Mais l'intelligence artificielle n'est pas capable de nous dire c'est ça parce qu'elle a appris et elle est capable de trouver. Et on ne contredit jamais l'intelligence artificielle, alors ? Alors, en fait, l'intelligence artificielle, on lui apprend à prédire en l'entraînant. Donc, en fait, au départ, on lui donne des propriétés en fonction de la composition, puis on lui cache des propriétés qu'on connaît. Et on lui dit, quelle est la propriété de ce verre ? Et puis, au départ, elle se trompe. Donc là, on lui dit, t'es trop nul. Et elle cherche à trouver une meilleure solution. Et donc, au départ, en fait, on la contredit pour qu'elle l'apprenne et qu'elle soit capable de trouver la bonne solution. Vous avez l'air malin après, parce qu'elle vous répond, elle donne des réponses que vous ne pouvez pas donner. Oui, mais elle est monotâche. Elle ne sait faire que ça. Allez-y, je vous en prie, posez votre question. Bonjour, merci pour votre conférence, c'était très intéressant. J'aurais une question, est-ce qu'il serait possible de faire des barres en verre qui pourraient remplacer des barres en acier dans des bétons, par exemple ? Car les barres en acier peuvent être source de problèmes, notamment au niveau de leur corrosion. Alors, les bétons, alors je ne sais pas s'il y a eu l'industrialisation de ça, les bétons fibrés avec des ce n'est pas vraiment des fibres, c'est des morceaux, une sorte de lamelles de verre métallique, ça existe. Des bétons fibrés verts, je crois que ça existe aussi. Mais alors, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup le verre métallique, ça existe, ça c'est certain. On en a un échantillon dans notre laboratoire. Par contre, c'est très cher, c'est très très cher. L'acier, enfin, le problème est aussi là. Hein. L'acier, ça reste quand même pas très cher comparé à ce type de matériaux. Une autre question dans la salle ? Oui, on vous donne le micro. Alors, messieurs, oui, d'abord, merci. Et puis vous ensuite. Comment classeriez-vous les verres déperlants auto-nettoyants ? Je crois qu'on a ça dans des façades d'immeubles, au moins ça a été dit. Et d'autre part, les verres pare-balles ou les verres très résistants qui peuvent supporter des balles, là, comme c'est les vitres des voitures des gens importants, vous les classez comment dans tout ce qu'on a vu, quoi ? C'est dans la masse ou c'est des couches en surface ? Alors, il y a les deux réponses. Le verre déperlant, c'est pas le verre qui est déperlant en lui-même, c'est un traitement de surface qui fait qu'il est déperlant. Donc, on vient déposer sur la surface du verre quelque chose qui n'aime pas l'eau. On parlait de tension de surface, ça n'aime pas l'eau et du coup, ça crée des gouttes et ça fait cet effet déperlant. Les verres pare-balles, là, il n'y a pas vraiment de secret, c'est du verre à vitre. Éventuellement, il peut y avoir des traitements thermiques, comme des trempes thermiques. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'épaisseur de verre et on va faire un feuilleté de verre et de polymère. Donc le verre est là pour... Si on ne peut pas faire des vitrages, il n'y aura jamais des vitrages en plastique parce que le plastique, il supporte très mal les rayures, il n'est pas assez dur, il supporte mal l'environnement extérieur. Donc le verre est là parce qu'il est dur, parce qu'il est très résistant et qu'il résiste bien à l'environnement. Le polymère est là parce qu'il résiste aux chocs et aux impacts. Donc du coup, quand les balles arrivent sur les verres feuilletés, elles viennent casser les premières couches de verre. Et le polymère est là pour amortir et maintenir les morceaux de verre de la première couche en place. Éventuellement, si on continue à tirer dessus, il y a une autre couche de verre. On peut aller comme ça sur des épaisseurs jusqu'à 5 couches de verre, 8 couches de verre en sandwich pour avoir des verres qui soient par balle. Alors, il y a aussi des choses qui ne sont pas du verre par balle. C'est moins courant, c'est beaucoup plus cher. C'est vendu par Saint-Gobain sous le nom Saphir. C'est une céramique monocristalline d'oxyde d'aluminium. Et c'est très, très cher à produire. Mais on en retrouve dans les vitrages par balles. Je crois qu'il y a votre bébé qui a une question à poser, mais on ne va peut-être pas lui donner le micro. Allez-y, monsieur, vous avez le micro ? Oui. Je suis un petit peu plus âgé que le bébé de monsieur.
J'ai deux questions, une sur le fond, une sur la forme. Sur le fond, c'est simplement sur cette sorte d'intelligence artificielle à nouveau. Il y a combien de données à lui donner en nourriture sur l'apprentissage pour arriver à quelque chose de fiable, juste l'ordre de grandeur? Je ne me rends pas bien compte. Moult. Ok. Sur les verres métalliques, je ne sais plus combien. C'est mon collègue Eric Robin. Il devait y avoir plusieurs centaines, moins une centaine de données qui ont été pour l'apprentissage. D'accord. C'est un gros problème une intelligence artificielle, parce qu'il faut lui donner plein de... Oui, plein donc de... c'est que des données expérimentales, donc ça prend du temps de les rassembler, si j'ai bien compris. Et ma question sur la forme, c'était, tous les deux, vous faites de la science très appliquée, et qui a donc des répercussions assez rapides sur l'industrie. Au niveau de vos laboratoires, c'est des laboratoires publics, comment ça fonctionne avec le secteur privé, quels sont les partenariats, comment vous êtes financé? Est-ce que vous nous parlez un petit peu de ça, parce que ça m'intéresse. Merci. Oui, ben on est ça qu'on est en lien avec les entreprises. On a aussi financé par les ANR, tout ça là, donc les services publics. Et au niveau des entreprises, on a des bourses CIF pour les thèses. On a des projets. Le labo donc a initié donc la création de 4 startups. Donc en général, on a toujours des liens très forts avec eux. Et financement de thèses principalement. Mais on a aussi des fonds publics. Même réponse en partie pour notre département. Quand on fait des collaborations avec les industriels, on a des tests CIFR. On finance, pour ceux qui ne connaissent pas les tests CIFR, c'est l'entreprise qui finance le doctorat, le salaire du doctorant, et éventuellement de l'argent en plus pour faire ses recherches. Et nous, mais ce n'est pas dans le domaine du verre, j'ai dit que le département mécanique et verre faisait aussi des élastomères. Et donc là, on a un laboratoire commun avec une entreprise, qui est en partie financé par l'entreprise. Et le laboratoire commun est sur le campus de Beaulieu, à Rennes, et les industriels peuvent venir dans le laboratoire faire leurs travaux de recherche. Je crois qu'il y a une question là-haut. Oui, allez-y. Moi, j'ai une question sur la propriété optique du verre. Pourquoi, quand le verre il est déformé, il devient opaque? Quand il y a une rayure ou autre, il perd sa transparence? En fait, c'est la diffusion de la lumière. Qui crée, en fait, comme on crée plein de zones de clivage, tout ça, on diffuse la lumière et donc on la bloque, en fait, et du coup, c'est pour ça qu'il perd sa transparence. Enfin, je pense que c'est comme ça. C'est ce qu'on voyait sur l'image de Louisiane, quand il y avait le petit défaut, on voyait des sortes de petites écailles. Et pareil, sur la rayure, on voyait des petites écailles, en fait, qui sont toutes petites. Et en fait, comme il y a une couche d'air entre l'écaille et le verre, ça diffuse la lumière. Et en fait, c'est ça qu'on voit apparaître en blanc. Là aussi, il y a des belles écailles ici. Ça, c'est un verre qui est endommagé par un laser. Et donc là, tout ce qu'on voit, c'est des petites fissures partout. Et ça paraît blanc parce que ça diffuse la lumière dans toutes les directions. Ouais. Dans 30 ans, est-ce que nous aurons des verres de type nouveau avec des propriétés inattendues? Oh bah oui, sans doute. Hein. On cherche toujours des nouvelles compositions de verres. Par exemple, pour l'intégration des verres dans les batteries, c'est quelque chose qui est très récent quand même. Ah oui. Les électrolytes liquides quand même dominaient les conducteurs ioniques avant la découverte des verres conducteurs. Vous avez tous des verres récents. Sur les smartphones, je ne fais pas de promotion de marque, sur les smartphones, les vitrages doivent être à la 6e génération de verres. Depuis les débuts, on ne sait jamais le même. Ça s'améliore à chaque fois. Je ne dirais pas la marque, mais ils sont déjà rendus la 6e version, qui est une composition différente à chaque fois. Alors, il y a une question que je pose avec un doute sur si elle est sérieuse ou pas. Grosse interrogation de la part d'élèves et d'anciens élèves sur le chat. Yann, tu nous expliques pour les verres des cathédrales? Voilà la question. Ça ne coule pas. C'est un mythe. Alors c'est une légende, oui. En fait, alors si on regarde la viscosité du verre à vide, ce que j'ai montré avec la bille d'acier, à quelle vitesse elle coule. Alors si le verre de cathédrale devait s'écouler, si on voulait le voir s'écouler, le petit calcul a été fait, il faut attendre 10 000 milliards de milliards de fois l'âge de l'univers pour le voir s'écouler. D'accord. Et donc la légende est née du fait que les verres des cathédrales sont souvent plus épais en bas qu'en haut. En fait, ils ne sont pas toujours plus épais en bas qu'en haut. Et ça, c'est simplement lié au procédé, c'est souvent ce qu'on appelait le procédé Krohn. Le verre était aplati, un carrouleau, c'était aplati. Et ça fait des bourrelets partout. Et donc le verre n'a pas une épaisseur uniforme. Et donc quand on le pose, il y a des endroits plus épais.
Et les gens se sont dit, bah, le verre, ça se trouve, il s'écoule. Mais comme je l'ai dit, sur tous les cristaux, enfin tous les matériaux cristallins s'écoulent aussi, et le plomb, il s'écoule beaucoup plus vite que le verre. Donc si le verre des cathédrales avait coulé, le plomb aurait déjà disparu. Est-ce que c'est du plomb, oui, entre les vitrages? Alors, monsieur, ah oui, monsieur qui, si je ne m'abuse, était opticien. Exactement, Maëtte, la dernière fois, vous m'avez dit ça aussi. Voilà, je vous reconnais. Et je voudrais répondre à la personne qui a dit tout à l'heure, qui a posé une question au sujet du verre qui est rayé. Si le verre, un verre d'optique est rayé, c'est qu'il y a un arrachement de la matière. Et quand on veut fabriquer des verres de lunettes, on moule souvent le verre. Et il y a plusieurs passes qu'on appelle fini, douci, poli. Le finissage, c'est donner une cambrure, une courbure. On doucit ensuite avec des abrasifs plus fins et on polit avec encore des plus fins. Ce qui amène maintenant à des résultats de transparence extraordinaires. Et quand on fait une rayure, eh bien on fait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on fait des arrachements de la matière. Et dans ce cas-là, on n'est plus en réfraction, mais en diffraction, c'est-à-dire que la lumière part dans tous les sens. Voilà. Alors j'ai quand même montré tout à l'heure. En fait, on n'arrache pas forcément de la matière. Nous, on peut être très gentil. On peut faire des rayures au nanomètre, nous, et on n'arrache pas de la matière. On déforme le verre. L'abrasion, c'est la dernière étape d'endommagement du verre quand on va mettre trop de force. Alors, je profite d'avoir le micro pour être un petit peu hors sujet, pour vous dire, vous, les scientifiques, merci. Parce que souvent, on doit dire, trouvez-nous ça, vite, trouvez-nous ça encore ceci. On voudrait des verres qui aient telle résistance. Et puis, vous patouillez, vous ne savez pas très bien, puis vous finissez pas plus ou moins par trouver. Et moi, je voudrais vous dire merci parce que j'ai commencé ma carrière d'opticien en 1970. Et on avait des verres d'indice 1,5, et puis 1,6, 1,7, 1,8. Et on a des résultats extraordinaires. Et pour la plupart d'entre nous, on bénéficie des améliorations ophtalmologiques des verres, et vraiment on en tire un une grande satisfaction. Donc pour vous les scientifiques, un énorme merci. Merci à vous. Pas d'autres interventions, on va rester là. Encore une question? Bonsoir. Vous parlez beaucoup d'arrachement, de brutalisation et de casser le verre, mais quid de le réparer? Est-ce que vous travaillez sur des colles ou des résines? Alors, les colles, je ne fais pas de pub pour des compagnies. Le problème des colles et des résines, c'est qu'en fait, quand on met deux matériaux transparents avec des indices de réfraction différents, on va voir la différence, on va voir l'interface entre les matériaux. Donc, quand on colle du verre, quand on met quelque chose dans une fissure, il faut mettre quelque chose qui est le même indice. Donc c'est tout ça qui est important à faire. Après, quand on a un vitrage, une vitre de maison qui est cassée, on pourrait recoller. Il y a des colles acryliques qui ont des indices qui sont très proches du verre. Mais la résistance résiduelle du verre, elle ne va pas être excellente. Alors, si c'est un enfant qui a cassé le verre en jouant au foot, ça sera encore pire s'il retape dans le vitrage. Voilà, je crois qu'on va en rester là pour ce soir, en vous remerciant d'avoir préparé cette conférence sur des sujets pas faciles à transmettre à des gens qui ne sont pas forcément scientifiques. Bravo en tout cas pour votre travail. Continuez à faire comme ça la fierté de notre université rennaise. Et puis, un prochain rendez-vous. Voilà, merci à vous tous pour votre attention. Merci.